partir de 1781, quand Herschel a découvert Uranus, il a arrêté toutes ses activités musicales et il devient astronome à plein temps. Il est l'astronome royal de la cour d'Angleterre, du roi George III. Et à partir de ce moment-là, il fait des observations, il construit des télescopes de plus en plus grands, il fait venir sa sœur Caroline qui vient d'Allemagne et qui va l'assister dans ses observations. Et elle-même, Caroline, va découvrir des comètes, par exemple. Mais surtout, en 1800, Herschel fait une découverte majeure. Et Herschel donc observe tout le système solaire, observe au-delà les étoiles et découvre des étoiles doubles et commence à se poser la question, même en observant les petites nébuleuses, sur la nature de l'univers. Il est très imprégné du siècle des Lumières et des idées de Kant, notamment sur ce sujet. Mais c'est un expérimentateur et en même temps, par exemple, il va reprendre la vieille expérience de Newton de la décomposition de la lumière à travers un système dispersif. Donc il va prendre un prisme et il va utiliser le rayonnement solaire et à travers les différentes couleurs du spectre solaire, à chaque couleur, il va se poser la question quelle est la température de chacune de ces couleurs. Alors pour cela, il va placer pour chaque couleur essentielle, il va placer un thermomètre. Et il va s'apercevoir qu'après le rouge, si les températures associées à ces couleurs montent, dans l'infrarouge, ces températures sont encore plus fortes. Herschel est le premier en 1800 à découvrir un rayonnement non perceptible à l'œil nu, le rayonnement infrarouge. Donc le spectre électromagnétique, en fait, la partie visible, ce que l'on voit, c'est-à-dire ce qu'émet le Soleil, ce qu'émettent les galaxies, tous les corps de l'univers, ce que l'on voit à l'œil, c'est une très très petite partie de l'émission d'un corps, c'est-à-dire qu'il émet dans les courtes longueurs d'onde, dans l'ultraviolet. Ils émettent aussi dans les domaines X et puis pour certains corps est très énergétique dans le domaine des rayons gamma. Et en fait, c'est un petit peu comme la musique, c'est-à-dire que cette partie des courtes longueurs d'onde, ça correspond dans le spectre sonore à la partie aiguë du spectre. Au-delà du visible dans les grandes longueurs d'onde, on a donc d'abord l'infrarouge. Et au-delà de l'infrarouge, il y a aussi un rayonnement des émissions. D'abord le micro-ondes, qui est le domaine d'émission des téléphones portables, et ensuite le domaine des ondes radio, qui sont couramment utilisées. C'est-à-dire qu'en fait, tous les corps de l'univers, les étoiles, les galaxies, émettent également en infrarouge dans les domaines micro-ondes et dans le domaine radio. On peut les écouter à l'aide de radiotélescopes notamment. Alors pour la partie musicale, le parallèle, disons que dans le domaine infrarouge, comme on est dans les grandes longueurs d'onde, on se retrouverait sur le plan de l'acoustique. Dans le domaine du grave, ça serait tous les graves de l'orgue, tous les graves que l'on joue, la contrebasse dans un orchestre, etc. Là, c'est vraiment le domaine de l'assise, le fondement même de la musique, la base des harmoniques. Alors c'est justement dans ces domaines de longueur d'onde que les futures missions de l'Agence spatiale européenne vont permettre d'avoir de nouvelles connaissances sur l'univers. D'abord, Herschel travaillera dans l'infrarouge lointain, donc nous pourrons avoir une meilleure connaissance de l'évolution des corps de l'univers, des étoiles, du gaz aussi contenu dans les galaxies.
Et Planck, lui, travaillera dans le domaine des micro-ondes, c'est-à-dire qu'avec une cartographie complète de l'univers, on pourra savoir finalement quel était l'état de l'univers primordial et comment celui-ci a évolué par la suite.